Ok, on lance un petit record. Tac tac. Gnar contre Sion. On joue contre Fnatic Bwipo. Donc top laner remplaçant de Swaz qui s'est qualifié du coup pour les MSI et tout ça. Je sais pas si c'est Bwipo d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont fait un communiqué ou pas du tout? Si c'est Bwipo ou si c'est Swaz qui va jouer pour les MSI. Du coup on joue contre Sion. On a le midliner de Gambit. Nicolas Senpai aussi qui est chaud. Une bonne équipe. Oh merde, t'es contre Bwipo. Ouais, mais la dernière fois on l'avait géré. Donc faut voir. Faut voir. On a petit Sartorius avec nous, on a Scarlett qui est dans le top chal. On a une bonne line-up. Oh, il a pas pris le truc avec moi, ok. Hop hop. Les lunettes étaient dégueulasses. Bwipo MSI, c'est Swaz, faut savoir, vous avez... les deux sont prévus apparemment, ok ok. Je me mise comme un con, écoutez que les phrases de quelqu'un d'autre. Chacun son kiff. Les deux sont inscrits, ok ok. Donc ils peuvent alterner, c'est ça la puissance aussi d'avoir un sub. Parce que Bwipo a le level pour pouvoir jouer. Même si je pense que la plupart du temps ils vont avoir Swaz. Pour certaines games peut-être qu'ils se sentiront plus à l'aise avec d'autres persos. Il a l'air de start topside. Eh non, putain de merde. Ouais bien sûr il cheese au maximum. Pardon. Il a cheese. Ça fait toujours mal. Hop, il suffisait d'avancer, reculer pour lui bait son A. Bah, c'est normal, hein, c'est un petit move qui est gratos à faire. Hein. Ok, il passe. Voilà, avec son E. On le dodge. Par contre, je loupe pas ça. On avance, on recule. Pardon, faut que j'arrête de bouquer, mais il y a des moves très bizarres, genre de la part de Bwipo, un des meilleurs sillons d'Europe, hein, bien évidemment. D'après le chat. Et les fans Fnatic. On en doute pas un instant. De la jalousie en moi? Oui. Ah merde, j'ai faim de la merde là. On va voir quand même au cas où je me prends un full combo derrière. Fais attention à pas faire trop de conneries. Oh, je peux voir le CS. Va falloir jouer back après. Ça va, on est un peu derrière en farm, ce qui est normal. Putain, la vache. La sitting par contre n'a vraiment pas été bon. C'est à peine jaloux au thème. J'ai le droit d'être jaloux, ok. On parle l'âme de Doran. On peut me cancel. Oh oh oh, go 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 go. Je gueule. Non bah non, mais si tu mets les trucs t'avais juste à avancer en ligne droite. Là maintenant il le sait que t'es top. Ah ouais d'accord, ok, il est en train de bait. Il y a le jungle qui est top. Oh non, Jarvan. Oh putain, merde. Ah, me tête. Je me suis dit, putain, il faut pas qu'il s'escape. My bad. Je pensais pas que Bâton allait mettre les damages nécessaires. Mais bon, ça reste ok. Ça reste ok. Use pas. Oh oui, oui, use sa téléporte. Juste push pas et moi je serais heureux. Dommage le flash. En vrai, ouais, c'est dommage parce que le reste était pas dégueu. L'action était bonne. Mais le flash ne l'était pas. J'ai de la haine. Par contre, je suis derrière en XP. Bon, pas tant que ça, ça va. Merde. On parle l'âme de Doran hein, pour avoir un petit peu un meilleur early game. Bon, mon gars, il est parti loin.
Putain, je suis le plus gros stop de ma vie. C'est un stop qui fait relativement, hein, bien sûr, mal. N'est-ce pas? Je crois que... on est obligé de back, les gars, là. On est dans... dans le pire trade que j'ai fait de ma vie. Clairement, my bad. Donc là, obligé de back parce qu'on peut se prendre un dive beaucoup trop facilement, vu qu'il devrait passer level 6, voilà. Donc je pouvais pas rester. Non, j'ai fait de la merde, my bad. Le boomerang était full drunk. Ouais, le boomerang qui est parti, je sais pas pourquoi, genre, c'était très bizarre. Bon, le Jarvan était pas top. Donc j'aurais pu survivre à un dive, je pense, mais fallait mieux pas tenter. Pourquoi tu joues Fleet Four plutôt que Eri plus Domi? Parce que c'est trop risqué et ça m'apportera un meilleur mid-late game. Et dès que je le couperai noir en fait, ça sera pas trop mal. On est derrière en farm, hein, clairement. Putain, j'aurais vraiment dû faire gaffe level 1. Parce qu'en vrai, ça m'a mis super mal en early. Bon, il a back. Donc ouais, 11-16 de retard. Sachant que Sion, ça a quand même beaucoup de damage et tout. Donc il y a moyen largement qu'il me fasse chier encore sur la suite de la lane. Je fais juste un peu la lane pour qu'elle retourne vers moi et qu'il perde un peu plus de CS. Plutôt que j'essaye de push. J'aurai jamais le temps pour cela. Je vais voir vite fait pour voir s'il y a une pink. On a un bon timing. C'est pas grave, je prends juste l'XP. Je ne l'ai pas eu. J'ai eu l'XP full range du sbire, mais je ne l'ai pas eu. Pas passer loin. Donc ouais, cœur gelé de son côté. Et son noir bien sûr pour avoir un peu de fin d'AP et de dégâts avec la pointe de l'immortel. Avec la potion de corruption, pardon, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait toujours le taf. Oh putain, je vais prendre cette deux fois mon auto en plus. Il m'a enculé. Là, il n'y a plus rien à faire. Quoi? Ça m'a pas tué? Merci Riot pour ce bug. Comment ça, ça m'a pas tué? Bon, attendez, il va quand même me dive. Hein. J'ai envie de le grid maintenant, tu sais. It's alright! C'est eux qui touchent pas. Non, mais ouais, c'est débile. Golowin, celle-là, c'est jamais fini. Ah, mais t'inquiète, genre, je la joue. Si jamais tu n'as pas fait attention, on est en train de la jouer, mon ami. Tiens. Merde. Putain, il attendait que ce all-in, quoi. J'allais dire, tiens. La pression. Fuck, quoi. Sérieusement, il y avait le Jarvan qui était là. Non. Beaucoup trop triste. Pourquoi il y avait le Jarvan? Enfin si, pourquoi il y avait le Jarvan, c'est évident. Pour me démolir la gueule. En vrai, genre, d'utiliser mon ulti pour la wave, ça m'aurait pas dérangé. Mais le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné comme prévu. Bon, le jungle qui devrait... Oh non, il enlève pas assez de dégâts. C'est tanky, Sion. Oh si, voilà. Ok. C'est tanky mais ça tombe. Nice, 3-3, let's go. Putain. Cause out top, intent top. If you're winning but bad war, why you stay for no reason? Je int d'après mon jungle. J'avoue que le flash de tout à l'heure n'était peut-être pas des plus classes. Mais j'essaie de faire de mon mieux, ok? Ça juge. An enemy has been slain. Win lane, lose game. Je parle, il y a 5-4. Qu'est-ce que tu fais là, putain? Ne commence pas me camp, je pue déjà la merde en 1v1. Laisse-moi tranquille. Mais par contre, ouais, du coup, ils ont l'information que le Jarvan est top. Ça, c'est cool. Je vais back directement juste pour avoir un tout petit peu plus d'HP et réavoir une potion. Superbe game.
On va perdre 3 last hit du coup là-dessus. Non, 2 en total. 3. 2. 3 ou 2, on ne sait plus. Hein. Il chie sur le respect. Bonjour, je suis le respect. Quand tu prends le lead sur un match-up comme ça, c'est complexe. C'était évident ça. Je sais qu'on la dodge comme un boss. Ce A. On use les deux potes de toute manière. Je vais pas avoir le choix. Le sbire. Got it. Got it, got it. On va pas avoir le 16, j'ai pas moi. En vrai, j'ai pas 36 000 possibilités, les gens, dans ce genre de trade. Dans ce genre de trade, eh bien, il faut juste subir. Oh, ça touche. Oh, j'aurais dû flash la comète. Oh, ça touche vraiment, quoi. Bon, tout à l'heure, ça a pas touché. Celle-là, elle touche. Bon, allez. RIP. Putain, on se fait chier dessus par Bouipo. Non, en vrai, il a très bien joué son Sion. Vraiment. Genre, il a été meilleur que moi. Mais qu'est-ce que... What the fuck? Le scanner? Mais quoi? Mais... Il fait quoi? Il est en train de bouger trop bizarrement. Oh non, s'il le tue pas. Non, si, il va le tuer. Ok, nice. Ouais, il a pas besoin de push. Il peut récupérer le farm. Comet killer. Mourir d'une comète, c'est triste. Mais Xeris, j'étais pas en train de recall ici, c'était à regarder un minimum. Genre, j'ai bougé après. Le recall sous tourelle était bien sinon. Mais c'est. Ma guidance qui a coûté la mort. Hey, dites-vous que ça vient juste de l'early game où j'aurais dû jouer un peu plus safe sur mon entrée de fin de lane. Genre, sinon, j'aurais pu mettre la différence et push la wave en early game. Vu que j'aurais dominé. Mais le problème c'est que de rater l'early, ça me fait back très tôt. Ça me met très mal. C'est juste à cause de cette erreur qu'il me chie dessus. Et ça fait un peu mal. Je suis pas sûr que le cog aurait dû flash là-dessus. Ah quoi que, s'il récupère un kill pour ça si en vrai. J'ai rien dit. Si on commet est mort. Qui a dit ça, Zengsful? Sur Comet, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, je trouve. Le E était obvious, sans déconner. Oh non, il a utilisé ses sorts. Je ne savais pas que Sion avait des sorts. Je pensais que c'était un tank. Oh, je crois avoir déjà joué Sion. Hein. Ok, il s'en sortira, Bouipo. Bouipo. Scarlett, pardon. C'est moi qui ai dit que Sion Comet était mort. Aïe aïe aïe. Pas facile, hein. Pas facile, les gens qui ont des bouquets en train d'écouter un live en même temps. Bon, en tout cas, j'ai pris la tourelle top là-dessus.
sais qu'il est mort là-dessus. Oh nice, le cop qui prend kill en plus. Ça me reste moins nice peut-être. Let's play something, yep. Alistar has to flash and Gnar has to chase like imbeciles. Bah en même temps genre je chase. C'était chaud mais au final c'est pas si mauvais. Je me suis fait claquer le flash du Ezreal qui était bien mieux que moi dans la game, donc bon. I will be mad 24/7 when people int and play bad. Oh, calme-toi, joue. Incroyable ces gens. Bah, tout ne t'aime pas. Ouais, bah, je comprends, je joue très mal dans cette game. Donc en vrai, ça peut être frustrant. Mais bon, c'est pas très intéressant ce qu'il nous raconte, quoi. Le petit Ignite qui fait le taf, le Kog'Maw qui DPS. En plus la game normalement est win. Genre ok, je suis en train de faire une game vraiment poubelle, je suis d'accord. Genre... Mais bon, comme je dis encore une fois, toutes les games que je fais aujourd'hui n'ont aucun impact autour du top. Ce qui est assez incroyable parce que comme je disais, bah, la top lane est quand même revenue dans la méta un peu. Ça reste l'impact le moins important sur League of Legends. En solo queue en tout cas, oh non même en pre-raid. Mais c'était revenu un peu. Et je sais pas pourquoi, là... Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai jamais vu un top laner qui gagne sa lane gagner la game. Parce que j'en ai perdu des games, enfin des lanes aujourd'hui. Tu sais, il y a une game que j'ai perdu et qu'on n'a pas gagné. Mais sinon, la plupart du temps, ça avait vraiment aucun sens. Hein. On peut juste la wave. Ils sont sérieux, je... Ah oui, ils sont sérieux. Ils sont sérieux, les gens. Putain, la vache. En vrai, c'est beaucoup claqué pour moi, je trouve. Parce que j'apporte pas de gold énormément. Enfin, pas énormément de gold. Et ça leur libère rien dans la game. Donc, ça va. Oula. Quoique, en vrai. Oh, ils ont tellement que. Oh, bah t'as pas d'ulti, petite Jarvan. Oh, bah non. Bah, c'est dommage. Après, ta team ne fait rien, elle sont toi sur toi. C'est normal, là, c'est normal. Genre, il y a des moves où des fois je suis extrêmement déçu. Oh, aïe aïe aïe. Oh, il joue bien en vrai Sartorius là-dessus. Mais c'est normal de ne rien prendre dans ce move-là parce que je n'étais pas du tout en place. Genre, enfin, mon équipe ne pouvait pas être en place, pardon. Je me mélange. Oh, mon dodge. Oh, il dodge tout. C'est un fou. Dommage, il y avait la range. Bon, de toute façon, Jarvan m'aurait achevé, il avait même son ult. Ça aurait été bien au moins de le faire claquer, ouais, voilà. Ok, ça va, il a son flash. Dur. On est allé un peu trop loin. On est allé beaucoup trop loin. Why you go that cause Gob tilting me? What? Et qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il raconte le Skarner? Tu sais, le Kog'Maw parle avec le Alistar et le Skarner répond en mode Gob me tilt.
Ok. Mm-hmm. Ça me paraît logique. Le bon bâton. Qui a un demi-cerveau dans cette game. Et bon, il est bon dans cette game. C'est déjà ça. Comment tu fais pour étendre le chat? W. Je vais arrêter, moi. Bon. On voudra pas, mais là, niveau point de vie, je suis un peu limité. Nice. Parfait, ça. Normalement, ils prennent 2 kills là-dessus. Et le Kog'Maw a pris quand même un kill. Nice. Ah oui, d'accord. Ça reste un 2 pour 3 du coup dans toute la game. Ok, c'est pas mal. Nice, well played, guys. J'ai pu avoir le buff de Moosepeed, je suis trop con. Je suis sorti du... Cette TP bug, voyons. J'ai lag, ça arrive. Can we just group? En vrai, ouais, je pense. Hein. Après, là, on pouvait pas trop vu qu'il y avait le Sion qui était en train de mettre une pression sur le bot side, mais. Je suis un boulot, je suis allé dans sa zone, genre. Il faut une BRK pour pouvoir gérer le Sion. En vrai. Me déteste pas. Scarlet, je t'aime. Je stack un peu de rage. Oh. Oh. Oh, le Ender Flash. J'ai failli flash in, mais j'ai vu que tout le monde avait reculé. On peut juste nage, hein. Si on perd la, la bot lane, c'est pas grave, genre le bot side. Osef, hein. Go, 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 go. Pourquoi ça start pas? J'utilise US, il est pas loin. Ça niveau point de vue, on est bien là. Les mates ont beaucoup d'HP. Je viens vraiment de louper ce boomerang. Ouais! Well played, team! Et vraiment, je suis désolé, je vous fais une game mais horrible de A à Z. Hein. Oh, c'est horrible. Elle est vraiment dégueulasse cette game. Oh là là. C'est pas facile.
Mais en vrai, je comprends pas du tout pourquoi Skarner tilt quand la game elle est en train d'être win. Genre, je déteste les gens qui tiltent alors que bon, bah ok, il y a un joueur qui joue mal dans ton équipe. Vraiment. Genre, je joue super mal. Même Sartorius là, il est en train de faire plus le taf alors qu'il est en support et pas top. Mais qu'est-ce que c'est chiant un mec qui te tilt. Enfin, qui tilt pour rien. Et du coup, qui me met mal, tu vois. Genre, moi, c'est chiant. Je me dis, bah ouais, je sais que je suis nul dans cette game. Laisse-moi tranquille. J'allais dire, je fais de mon mieux. Peut-être pas à ce point-là, mais bon. Après, ça fait 8 heures de live que tu stream. Ouais, bah. Ça fait 8 heures de live que tu stream. Ma phrase n'a aucun sens. J'ai dit ça n'importe comment. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on live, mais bon. Sabreviciel, pourquoi pour acheter, genre, la Trinité. Ouais. Pourquoi tu passes Sabreviciel? Ouais. Regardez, je suis là. T'as un rampage. Oh, triple kill. Putain, je suis vraiment incroyable, hein. Go faire l'excuse, je vous montre mes erreurs. Là, normalement, faut pas jump in. Regardez, là, je fais ça, je vais in comme un sale. Non, j'ai mon adversaire a juste mieux joué que moi. Bouipo, la plupart du temps, ça se passait bien, comme je disais, quand je jouais contre lui. Bah là, c'est pas le cas. Il a mieux joué que moi, largement. Mais du coup, il perd la game parce que lose the game. Hé hé. Oula, ma barre entrée. Enfin, ouais. Oh, mon entrée plante, un peu. Better top win once again. Non mais c'est bien pour YouTube, tu vois, ça montre que je suis un humain et qu'il m'arrive de faire de mauvaises games. Je veux honorer Sartorius parce qu'en vrai il a été ultra chaud. Et oui, le sabre vicié était effectivement pour la BRK, étonnamment. Hein. Et pas le pistolet mixtape si vous posez la question. Bon, bah nice. Écoutez, ça me rapporte des points, je vais pas me plaindre. Hein. On a fait une bonne game tout à l'heure avec Gnar, j'ai perdu contre Action. Là on fait une mauvaise game contre Action, bah je gagne. All good. Ça me va. C'est ok. Bref, des bisous YouTube en tout cas. Et à la prochaine. Ciao ciao.